time. Bonsoir, petit message pour la voix Alif. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, fatigué de ma journée. On se retrouve pour la suite de notre parc. Avec toujours notre joyeuse bordeline. Dégage. Du coup, aujourd'hui pour la première partie, parce que je vais couper en trois parties le stream, enfin les streams du coup. La première partie, on va tenter de trouver des grottes, le temps que Zazu arrive, pour nous dire précisément que c'est qu'il y en a, parce que je sais absolument pas où elles sont. Normalement, il doit y en avoir une par là-bas, de mémoire. Et d'ailleurs, comment je fais déjà? Voilà. Wado. Hop, voilà. Du coup, j'espère que votre journée se passe bien ou s'est bien passé. Voilà, on retire toutes les notes. Voilà. On a notre petit argent à vis. Mais attention. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais attention. J'ai l'armure en métal. Parce que moi je suis un métalleux, voyez. Voilà. C'est bien. C'est plus rangé, c'est plus mieux. Du coup. Merde. Yes. On commence bien. Putain. Non, non. Commence bien le stream. C'est quoi? Piranha. Ça veut pas assez dégâts ce truc. Faut un truc qui me fasse de vrais dégâts. Oh, tant qu'à faire, hein, je vais me faire. J'essaie de me faire poutrer pour retourner vite à la maison. Oh, par là, il doit y avoir un truc. Non. C'est des saumons, ça. C'est quoi, ça? Oula! Vous êtes gentil ou méchant, vous? Bah, j'ai l'impression que ce sont l'équivalent des dauphins. Et étrangement, j'ai pas confiance. Il peut pas y avoir un Meg. Ça, par contre, ils sont flippants, monsieur. Là. Bon, apparemment, j'ai pas le droit de me faire poutrer par un Meg. Bon. Du coup, quand j'aurai, entre guillemets, fini cette map, parce que je ne sais pas si je la ferai à 100% pour le coup, je ferai une autre map en duo
avec Zazu qui m'apprendra un peu plus à jouer au jeu. Enfin, qui m'apprendra à mieux connaître le système. Mais la map, je ne la dirai pas. Ce sera la surprise. À moins que je l'ai déjà dit sur mon stream précédent, je sais plus. Oh, Meg! Donc, comment est-ce que je voulais? Eh, du song! Yo! Oh, c'est en alpha en plus. Yo yo! Bonjour! Il a peur de moi? Putain, c'est eux qui m'ont fait peur. Bon, bah, au final, ce seront les mantis qui me pèteront la bouche. Les mantas. Les mantis. J'ai dit le mantis? Ah ouais. Alors, par contre, la résistance. La résistance, mon pote. Laisse tomber, hein. Aucun intérêt. Voilà. Tu m'embrouilles à tout le temps regarder ton machin, c'est bon, tu le sais que tu l'as cette merde. La manette commence pas. Non mais. Ah. C'est bon. Normalement, il est censé y avoir une grotte par là-bas. Ou par là, je sais plus. Ah oui, c'est vrai que tu peux faire des trucs, toi. Ah, que tu me sers d'atelier. La logique. Apparemment, j'avais une autre personne qui était avec moi. Pourquoi pas? Raptor, Carnotaur. On va laisser Bichette se reposer. Enfin, le piaf. Il a vraiment la tronche d'un chocobo, ce machin. Celle-là. Ah, par là, il y a un... Il y a une T-Rex, je dirais. Par là, il n'y a rien qui veut tenter de m'agresser.
Il y a un T-Rex. J'arrive pas à savoir ce qu'il y a d'autre. Des serpents. Seul bait. Bon, ouais, au pire. On va essayer d'explorer un peu la carte. Trop moche ce dinosaure, vraiment. On a toujours les grenouilles, les grenouilles. Et arrête de bouger, commence pas. C'est quoi ce qu'il y a dans l'eau? C'est quoi ce machin? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est quoi ce machin? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Je demanderai à Zazu quand elle sera là. Je trouve vachement grand le machin là. Je suis prêt à dégainer mon argent à vis, hein. Dans le sens où je me tire. Attends, est-ce que je peux m'en rapprocher? Alors, qu'est-ce que t'es, toi? Un Diplocolus? C'est assez classe. Un peu space, mais classe. You spin me right round, baby, right round, like a radio, baby, mama, right round. En tout cas, ça retourne à l'eau. Attends, t'es gentil ou t'es méchant comme bestiole, toi? Apparemment, t'as l'air de fuir. You spin me right round, baby, right round, like a red already, baba, run round. Lol. Bon, apparemment il est plus occupé à tourner sur le raptor qu'autre chose. Ah. Ah putain borgne. Évidemment, au moment où il fallait pas. Ah, mais lâchez-moi la grappe, bon Dieu! Par acquis de conscience, je préfère m'éloigner. Bon, ça va, il va s'en prendre une autre bestiole. Putain. T'es sérieux que tu vas pas me filer la plante que je veux là? Voilà, merci, au revoir.
Putain, par contre, mon casque commence à avoir de sales effets là. À moins que ce soit le jeu. Oh, Spino! Oh, un raptor. Oh, des raptors. C'est un stégosaurtec. Ouais, la manette là. Il doit bien y avoir une grotte dans le coin quand même. Ah d'accord, toujours plus. Toujours plus de chutes. La question c'est qu'est-ce qu'ils ont vu? Des raptors, évidemment. Un raptor, raptor tech. Ah, c'est parce que je bouge mon casque que ça fait ça. Qui ressemblait trop à une entrée de grotte, quoi. Je suis dégoûté. C'est de l'arnaque, ça, monsieur dame. Oh, fier, bof.
Ah, tu l'as dans le bobal, Croco. Ah, tu l'as dans le baba, hein. Ah, c'est ballot. Je sais pas si vous l'entendez, la vibration de mon téléphone, encore un numéro que je ne connais pas et qui m'appelle. Encore et toujours. Alors, il y a quoi là-dedans? De la merde. C'est bon là? C'est insane, hein. Bon. On va continuer. Apparemment, faut que je me repose avant. Faut qu'il se repose avant. Bon, alors. Alors attendez, je me repose parce que je vois qu'il y a des raptors à côté. Toujours le même numéro. Ah non, c'est pas le même. Il finit pas pareil. Deux, moi. L'autre, ils ont cru qu'en changeant un numéro dans le lot, j'allais y répondre. Arrêtez de prendre les gens pour des abrutis de temps en temps. Évidemment. Bon, tu voudrais pas te régénérer un peu plus rapide en énergie là? Merci. Quoi encore? Ah. Ah, comme ça, j'entendrai plus mon téléphone. Ah, incroyable. Jolie cette zone. Apparemment, il n'y a pas de dino ici à chaque fois. Ah si. Comment je peux avoir autant de bouffe? Ah bah oui. La peau, je la garde, mais bon. Ça sert pas à grand chose.
Latitude 59, longitude 72, grosso modo. Voilà, bon, c'est à peu près là où je suis, quoi. Pardon. Non, faut remonter maintenant. Attends, qu'est-ce qu'il y en a, des raptors? Un alpha, je crois. Non, c'est qu'est-ce qu'il y a, je crois qu'il est encore en train de flotter. Oh, la Redwood. M'avait manqué. Ouais, faut que je fasse gaffe aux arbres. Attends, t'es sérieux que s'en prend un ours? J'aime pas cet oiseau. Enfin, cette espèce d'oiseau. Ta bouche. Bah, ok, on attend encore. Encore un. Décidément, les carnots.
Ah, le psy. Ah. Ouais, écoute, attends, on va marquer la zone. Alors, latitude 35, longitude 59. Eh, il pourrait pas arrêter de flotter de temps en temps, sérieux. C'est le jeu du diable. Hein. Eh, par contre, vitesse 100, pas ouf. Oui, bah il y a plus gros que l'Argentavis de mémoire. Oula, ça pue ça. Je sais pas ce que c'est et officiellement je veux pas le savoir. Scorpion. Copie le scorpion. Dans la jungle, ça pue. Iguanodon. C'est pas ce qui m'intéresse le plus honnêtement. Même si je kifferais en prendre un juste pour l'appeler Aladar. Ah putain bargne. Mais partout où je vais me poser, ça va être l'agressivité là. Ça y est, l'autre il est reparti pour gémir. Ah, c'est de la glace! Pourquoi il y a de la glace ici? Ah, d'accord, je comprends mieux. Mamie le mammouth.
Ah, c'est des plantes, je croyais que c'était des bestioles. Il y a un truc qui va me tomber dessus. Savoir qui c'est. Qui c'est? Alors attends, question, c'est est-ce que c'est la personne que je pense? Ouais. Oh putain. Bon, déjà faut que j'arrive à trouver un coin à me poser sans me faire agresser. On va attendre 2 secondes. Alors attendez, 2 secondes, je retire mon casque pour le micro. Je reviens dans 5-10 minutes, à peine.
Me revoilà, désolé. Elle est vachement grande la zone de neige. Incroyable. Ah bah oui, forcément j'ai froid, j'ai pas l'armure. Enfin j'ai pas la combi de fourrure. Des minots. Ah. Non. Ça m'intéresse pas. Enfin. Au secours! Putain, mais. Oh bordel, ça commence! Eh hey, oh! Il est où? Mais putain! Toujours plus bugué. Je savais que j'aurais pas dû y aller. C'était un bug. Ah ouais, je suis en train de crever de froid.
Ah, c'est la montagne, c'est le volcan, ça. Il y en a un qui a voulu tenter de se péter un triceratops. Pas une seule grotte. Ça va être compliqué cette affaire. Voilà, bien. Mais ça m'aide toujours pas pour les grottes. Ah, attendez. Oh.
Il y en avait une à ce niveau-là. T'es en train de me dire que c'est une grotte, ça? On va tenter, hein, mais apparemment, ouais, y a une grotte là-bas. On va essayer d'y aller, hein. On va voir. Théoriquement, il y a une grotte par là. Je veux pas être méchant, hein, mais pour trouver leur grotte, c'est un peu galère. Hein.
Évidemment. Bon, et par contre, leur 40 kilos de machin de pub de mort là, c'est bon, c'est chiant. Je suis censé être à côté, hein. Le jeu a crash. Ah non, c'est bon. Où est cette putain de grotte? C'est bon, toutes les bestioles du monde avant de me lâcher la grappe là. Bon.
Tu veux pas m'emmener à la grotte? Bon, c'est non, ça te dirait de t'envoler un peu? Ça va me gonfler, trouver ces grottes. Attends. Ouais, c'est qu'une plante, super. Vachement intéressant. Ça me gonflait. Caverne près du volcan. Évidemment, j'ai pris le sale dinosaure qu'il fallait surtout pas prendre. Ah d'accord, c'est au pied du volcan, ça a rien, c'est ouais d'accord. C'est possible qu'il arrête de flotter, genre, ou pas? Parce que c'est pas que ça commence à me saouler profondément, mais un peu quand même. D'accord. Il faut qu'il y ait les deux montagnes. Ah, je dois pas en être bien loin.
Attends. Je dis ça, mais ça se trouve, je suis clairement pas au bon endroit. Ah. Attends. Je dois pas en être très loin. Oui, je suis en train de m'aider avec une photo. Pourquoi t'es redescendu toi, Clébar, là? Mais tu sors d'où toi? D'accord, donc lui sort de sous terre, genre Narmol. Tout à fait logique. C'est ouf. La question c'est au moins, est-ce qu'il y a les grottes? Sur PS4. J'espère que oui quand même, que je me fasse pas chier pour que dalle. Alors attends. Pourquoi t'avances? Putain! Il y a bien le lac. Je suis censé être par là, plus par là apparemment. Ouais, je dois être plus près apparemment. Que je suis en train de me faire poutrer là, mais ouais, d'accord, pourquoi pas. Ça va me saouler.
Mais au bout d'un moment, il faudra peut-être... Enfin! Ah, pétard! Oh là là, 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 40 ans pour la trouver. Allez, je l'ai enfin trouvé. Non. Bon, prions pour que tu te fasses pas agresser, toi. Une araignée. Deux araignées. Ah oui, quand même. Elle est où? Moi j'adore les araignées. Niveau 95. Normal. Truc qui va me faire faire dodo cola mon petit frère. Alors moi j'ai de la viande. Scorpion. Scorpion, scorpion. Oh putain, non mais... Oui, mais encore. Ouais, bah là je refuse. Parce que là, c'est bon, ça va 5 minutes. Plus de buggy à mort là. Ah t'es guaqué hein sale bête. Ah tu l'as dans le baba hein. Saleté hein.
Oh, une chauve-souris. Bah, genre. Bon, déjà, il y en a une en trop. C'est bon là. Bon, tu vas dormir au bout d'un moment. Putain, mais ça s'endort quand cette merde? Bon. Ah, casse-toi. Tu m'emmerdes. Bon, je suis clairement pas prêt. Ok. Le jeu. Merci. T'es blessé? Non, jure frérot. T'as trouvé ça tout seul. Et pourquoi je me l'écaille comme ça alors que je suis dehors? La chaleur. Vas-y, mince, combien de pourcents de vie là, avant que je me remette en game mode. Te presse pas surtout. Voilà. Maintenant on rentre. Bon, ah, je suis clairement pas prêt pour les grottes apparemment. Putain, mais la résistance ça sert à que dalle, l'armure ça sert à que dalle. En fait, ce jeu il est full buggé. Concrètement, le jeu il est full buggé quoi. Enfin, il est full problème quoi. Non mais putain, mais 40 ans pour se poser aussi. Le bonheur. Attends, on m'entend ou pas? Le bonheur. Ouais, c'est bon.
Oui, c'est ça, fait que je fasse aussi. Alors, t'es où? Ça dégage. Je peux garder contact avec des gens qui se foutent de ma gueule. Bon, 19h, ça fait 1h30. Toujours plus. Le truc s'envole carrément les bestiaux. À la base, ça m'intéresse. J'ai rien dit, ça m'intéresse pas. Bon, bah faut croire qu'apparemment les gens qui follow ne viennent jamais. Ah, allez. Hop. Oh putain, j'ai oublié de le dire de rester là-bas, putain. J'en ai marre d'être teubé comme ça. Yo, cet abruti. Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Allons-y gaiement. Alors, je suis pas censé avoir une hache en métal. Moi. Elle est où? Non. Non. J'ai une hache en pierre, mais c'est pas ça. Normalement, je suis censé en avoir une en métal, non? Non, bon. Bah écoute, on va prendre ça. Hein.
Ah, bon. C'est la pause, voire peut-être la fin des streams. Enfin, du stream de vendredi. Je sais pas encore. Je verrai si j'ai la foi ou pas. Sinon, merci d'avoir regardé cette partie du stream. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme vous connaissez le système, l'abonnement, les commentaires, les likes, le partage aussi, ça fera plaisir. N'oubliez pas de me rejoindre tous les jours, sauf le week-end pour l'instant. Je suis en stream tous les jours sauf le week-end à partir de 16h, sauf le vendredi à partir de 17h, 17h30 au max 18h. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou voilà toi. Ou une bonne journée si vous regardez ça le matin et que vous êtes en vacances par exemple. Je vous dis à bientôt pour un prochain stream. Normalement, je suis censé reprendre juste après dans en gros 30 minutes. Normalement. Mais bon, on sait jamais. Du coup, je vous dis à bientôt pour un prochain stream. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye.